Wassim Mdmoun, vous êtes le président de l'association Forum EHTP Entreprises. Bonjour et merci de répondre à nos questions sur Med Radio. Bonjour, merci. Alors, le Forum EHTP Entreprises tient sa 24e édition du 19 au 21 janvier. Quel est l'objectif de ce forum? Quelles en seront les grandes lignes? Et quelles ont été les retombées des précédentes éditions? Alors, Forum EHTP Entreprises, le forum annuel de l'École Hassaniya des travaux publics, son but ultime étant d'initier les ingénieurs de la prestigieuse École Hassaniya au monde professionnel, ainsi que de leur permettre de décrocher aisément un stage, un PFE, une alternance ou un emploi. Chaque année, plus de 70 entreprises participantes, près de 200 recruteurs responsables d'entreprises et écoles de business internationales et plus de 5000 ingénieurs et jeunes diplômés se réunissent. C'est témoigné du plus grand forum au Maroc organisé uniquement par des étudiants. Alors cette année-là, rendez-vous pour une édition exceptionnelle, une édition 100% digitale sur la plateforme Cicube, et dont nous sommes par la même occasion les premiers partenaires au niveau national. Alors le thème cette année est le Maroc post-Covid-19, management de la supply chain et économie circulaire mix porteur des stratégies de rétablissement. Pourquoi le choix de ce thème? Écoutez, à l'occasion du 21e anniversaire de l'accession au trône, le roi Mohamed VI souligne l'importance de corriger les dysfonctionnements des établissements et des entreprises publiques afin de garantir une complémentarité et cohérence optimale entre leurs missions respectives. Et c'est dans ce sens-là que le comité de l'association Forum EHTP Entreprises a jugé de patriotique de dévoiler les causes de ce dysfonctionnement et de concevoir une stratégie susceptible de surmonter les défis du post-Covid. Cette année, le Forum de l'École Hassaniya ouvre le débat sur la nécessité d'une transition vers un modèle économique circulaire, faisant face aux failles de la supply chain mondiale et accentuée par la crise du coronavirus. Alors, au menu cette année, une série de webinaires facilitant l'élaboration du thème de cette année et qui seront pour la première fois chapeauté par un congrès au mois de mars, Inch'Allah. Wassim Mdmoun, je rappelle que vous êtes le président de l'association Forum EHTP Entreprises. Merci pour ces réponses. Merci à vous.